Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise émettant depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, il vous retrouve dans l'émission quotidienne sur spéciale élection. C'est l'intitulé de notre émission pendant cette période de campagne. Nous allons aujourd'hui recevoir deux combattants de la section de Texas. Et là, nous vous les citons. Il s'agit de Monsieur Peter Cancan, qui est membre aussi de la fédération de l'UDPS ici aux États-Unis. Et nous avons aussi le membre de la section de Texas, Monsieur Ntambua Mpoi. Et en les recevant, nous avons l'esprit ouvert à Monsieur le président sectionnaire Guy Mundela. C'est à cause de lui que nous avons reçu cette section aujourd'hui dans cette émission. Monsieur Ntambua Mpoi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour discuter avec nous sur cette campagne. Quel est votre point de vue de la chaleur de l'UDPS sur terrain, Kinshasa, Bakongo et aujourd'hui, hier plutôt, c'était Maniema. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a mis au parfum de ces élections? Pour moi, dès le début d'abord, moi, je savais que Tshisekedi n'aura pas un candidat fort pour les élections de 2023. Et il n'a pas de candidat fort jusque-là tout de même. Non, il n'a pas le candidat fort. Tout ça, si vous voyez très bien ce qui se passe sur terrain, c'est juste des histoires que les gens sont en train de forcer. Ils sont en train de forcer pour SMP, je ne sais pas, parce que pour le moment, tout d'abord, vous voyez, tout le monde qui ont désisté là, c'est comme s'ils ont postulé pour les élections 2023 à la présidence et puis chercher, après les élections, s'ils auront de postes au niveau quoi, du gouvernement. C'est ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait aller aux élections avec Tshisekedi. Effectivement, pour vous compléter, Monsieur Mpoi, il faut dire qu'il y a des gens qui ont déposé leur candidature pour ne pas être candidat. Exactement. Ils ont déposé comme ça qu'on va les débaucher, comme nous avons vu plus de 4 personnes qui sont allées s'allier derrière Katumbi. Et nous sommes en train d'hésiter, est-ce que ce n'est pas lui qui leur a donné cet argent, les 65 000 dollars, qu'il dépose pour s'allier à lui, pour faire voir au peuple congolais que non, les gens lui font confiance plus que le bulldozer de Félix Tshisekedi. Oui, c'est ça aussi la question que je me pose aussi, hein, parce que si on regarde sur le terrain, exactement, je ne sais pas chacun des gens qui ont postulé pour la présidence, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Il y a un qui s'appelle, si c'est Théodore, c'est un pasteur, ou soit lui, il a pris l'argent de quoi? De ses membres de l'église pour simple de postuler. Pour SMP de passer aussi à la présidence de la République, je ne crois pas. Si vous suivez très bien ou soit à la longue, vous allez voir que c'est toujours les gars qui essaient un peu de débaucher les gens ou soit de leur donner l'argent pour qu'ils essaient un peu de postuler. Avec le temps, si
il essaie un peu de, d'avoir tout le monde avec lui, ça peut lui donner les, quoi, le poids. Mais en réalité, lui-même, il ne peut rien faire exactement avec les élections. Et si vous voyez aussi, je ne crois pas. Au Congo, tout le monde essaie un peu de suivre les gens. Dès que vous passez en route, mais en réalité, si vous lisez les histoires qui se passent sur terrain, vous verrez tout simplement que tout le monde choisit toujours Tshisekedi qui sera encore président de quoi, du Congo pour quoi, les années à venir. Pour dire que c'est l'unique favori, l'unique candidat du peuple. Oui, c'est l'unique favori. Une fois, j'ai un peu de lire. Il y a des jours passés, j'ai vu chargé d'informations, je crois, Francis Kalombo. Oui. Il a essayé un peu de, quoi, de poster des histoires là sur X pour dire quoi, on fait la campagne à la quoi, à l'américaine. J'ai lu les commentaires, plus de 90 commentaires. Les gens essaient un peu de parler. Aucune personne sur ces commentaires-là parlait du positif de Moïse Katumbi. Tout le monde, à peu près 2 personnes seulement. Alors vous allez nous dire que non, s'ils allaient aux élections et Moïse va passer. Non, Moïse ne passera pas et il sait très bien. Il sait très bien qu'il ne passera pas. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vous avez touché là, campagne à l'américaine. Vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est la campagne que l'ensemble est en train de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de campagne américaine? Non, moi je ne crois pas. C'est toujours les gens qui sont aux alentours de Moïse Katumbi, ils voient un avion qui est arrivé là. Ils ont loué ça si doux comme ça, on ne sait pas. Dès qu'ils montent dans un avion, ils voient, c'est ça qu'ils appellent à l'américaine. Moi je ne sais pas, ils appellent ça à l'américaine comment? Hein? Parce que les avions, donc... Moi, quand il y a quelqu'un qui m'a envoyé un document, soi-disant, oh non, tu sais qu'il dit, il bloque les opposants, et ils ont bloqué les avions de Katumbi à survoler, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est une histoire qui est dans l'imagination, surtout les journaleux de Kachobwe, les gens-là qui cherchent de l'argent à Katumbi, ils inventent des histoires pour le faire plaisir. Que non, écoutez, nous avons déposé une lettre de demande de survol d'un avion AAC. Et ils nous ont remis la lettre pour dire non, il faudrait d'autres documents. On a donné des documents. Jusqu'à là, ils n'ont pas répondu. Mais quel est cet avion-là? Puisqu'il y a 2 avions qui circulent avec eux. Il y a seulement 2 avions. Mais ils veulent nous faire voir que c'était plus que 2. Oui, alors, Peter, nous sommes en direct déjà avec... le combattant Tambwampoy et vous-même et donc AIMB. Alors, on a déjà commencé, vous allez nous joindre. Tambwampoy, donc continuez votre raisonnement quand nous disions que Katumbi ou l'ensemble, ils se plaignaient comme s'ils avaient plus de 2 avions, puisque jusque-là, nous n'avons vu que 2 avions. Ils se plaignent comme si Félix a bloqué le 3e avion, ils ne veulent pas une campagne à l'américaine, comme ils appellent ça eux-mêmes. Non, bon, selon moi, j'ai fait l'ISTA, j'ai fait aussi les études d'aviation ici en Amérique. Je connais qu'est-ce qui se passe au juste. Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Il y a des aéroports qui ne peuvent pas accueillir ces avions-là. Ouais. Si vous voyez, Katumbi a des avions, il y a un avion qu'on appelle Falcon. Le Falcon, là, ce sont des avions qui volent à une grande vitesse. Les aéroports, on n'a pas des aéroports appropriés pour accueillir. Quel avion qu'il veut amener encore pour faire la campagne au Congo? À part les petits avions, là. Quel avion? Ce sont des histoires sur Internet que les gens disent, ils ne comprennent même pas exactement qu'est-ce qui se passe au juste. Moi, je ne crois pas que Katumbi pourra avoir 3 ou 4 avions pour faire c'est quoi la campagne, pour transporter qui, à part tout le monde qu'il est en train de voyager avec dans les quoi, dans les régions du Congo, à part lui, parce qu'il ne peut pas aller seul. Dites-moi s'il volait, il a un avion,
si c'est un de ses collaborateurs, je ne sais pas, de l'Est, j'ai oublié leur nom, il va de l'autre côté, va seul. Il n'y aura pas le quoi. La publicité exacte pour lui. Parce qu'il y a d'autres gens qui viennent tout simplement voir Katumbi avec qui, et puis ils viennent voir les gens de leur région. Exact. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Je voulais compléter, papa Ntamou. Oui, allez-y. Ok. Vous voyez, les partis de notre frère, entre guillemets, Moïse Katumbi et sa bande-là, sont habitués à la victimisation et au mensonge. Mm-hmm. Pour preuve, okay. Pas plus tard que ce mardi, nous avons vu en pleine ville de Kinshasa un avocat à qui beaucoup de gens respectaient, qui était membre de la CENCO, soi-disant comité laïque de coordination, qui travaillait pour Katumbi depuis longtemps, nous le savions déjà, avec Olivier Kamitatou, faire un point de presse devant une salle de fête privée, disant que nous avons loué cette salle et les pouvoirs en place. Les pouvoirs en place nous en ont empêché pour y accéder. Et malheureusement, le propriétaire de la salle a immédiatement fait un communiqué pour démentir. Et il a fait même une émission où il demande à quiconque d'ensemble pour la République, les partis qui se victimisent à tout moment, sans discours, sans programme, sans une vision claire, parce que jusqu'ici, nous ne connaissons pas c'est quoi leur vision. Et c'est, bon, je pense que leur vision, c'est la victimisation. Je me souviens, dès le départ, ils s'en ont pris à tous les DPS, disant que Tshisekedi était derrière Tchani pour concevoir une loi anti-Katumbi. Pas une loi pour la République, mais une loi anti-Katumbi. Ils ont tout fait, la Cour constitutionnelle est dans les poches de Tshisekedi. La CENI, on va écarter Katumbi. Vous connaissez, je ne peux pas revenir sur tout. Mais aujourd'hui, il a été retenu. Il nous avait promis la campagne à l'américaine. Ils sont invités à des problèmes entre eux. Il n'y a pas de discours pour convaincre la population. Il se trouve qu'il n'y a pas de la mobilisation. Alors, pour faire un écho aux oreilles de leurs maîtres, les Occidentaux et les Occidentaux représentés par Kagame, qui est le parrain de Moïse Katumbi, c'est pour cela qu'ils sont en train de se victimiser comme leur programme de société ou leur projet de société dans cette élection que nous allons, c'est la victimisation. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mes chers compatriotes. Mais tout à fait. Rien de verdict, rien de palpable, rien de concret dans tout ce que ces partis-là et ces adeptes sortent de leur bouche, hormis la haine. Rien ne peut sortir de leur bouche. Voilà, alors là, nous continuons avec un aspect que vous avez évoqué tous, cette victimisation. Il part à Goma, nous avons vu les images, c'était un fiasco total. Il dit que non, une fois élu, il va terminer la guerre dans quelques jours. Alors, selon l'analyse intellectuelle, nous savons que quelqu'un ne peut trouver une solution rapide à un effet de guerre, à moins que lui-même soit problème dans cette guerre-là. Tu ne peux pas terminer quelque chose que tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Donc, si vous allez là-bas en un jour, parce que ce sont les gens qu'on ne connaît pas, il faut trouver des mécanismes d'entente, les mécanismes pour des réunions. C'est une histoire qui ne peut pas se prendre, se faire même dans 6 mois, si vous ne connaissez pas vraiment les belligérants. Puisque vous devez chercher les M23 que Félix Tshisekedi a refusé catégoriquement qu'il n'y aura pas de négociation avec ces gens-là. Il faut aller vers les supplétifs des Européens, c'est-à-dire Kagame et Kabuta Museveni, les convaincre pour qu'enfin on puisse mettre les éléments ensemble et arrondir les angles. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Mpoy? Yeah,
Ce que vous dites là, c'est moi je me pose des questions lorsqu'il dit ces histoires et que les gens entendent ça, ils se disent quoi? Est-ce que c'est vrai avec la guerre qui a fait plus ou moins si c'est 20 ans? Après, on va vers 30 ans maintenant. Même 30 ans, lui va venir dans 6 mois et en finir. Donc, cette fois-ci, il n'a pas dit 6 mois. Il a même eu le culot de dire dans quelques jours. 6 mois, c'est même beaucoup. Il a dit à Goma, dans quelques jours, je vais terminer ça. Donc, il fait partie du problème, donc. C'est du fiasco. Il fait partie du problème parce que, si vous voyez très bien, moi, je n'ai jamais entendu qu'à Katumbi, nulle part, il condamne les Rwanda ou soit il cite Kagame comme notre agresseur. Il n'a jamais dit ça. Il dit tout simplement, il ne cite pas exact le pays qui nous agresse. Alors, qu'est-ce que nous, les gens qui raisonnent un peu, ou soit qui suivent tout ce qu'il dit à la loupe, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est toujours lui. Et ou soit ces gens-là, c'est eux qui le soutiennent. Pas les soutenir, il fait partie du problème. Parce que quand tu fais partie du problème, oui, pour créer la guerre. Voilà, ils sont en communion, ils se mettent ensemble, ils créent la zizanie, et ils disent non, dès que moi j'arrive là-bas, je vais terminer. Comment? Par quelle magie? Donc, à moins que tu as créé ça aussi. Exactement. Il a raison de dire ça. Pourquoi? Moi je dis qu'il a raison de dire ça, et il est conscient qu'il va le faire. Comment il va le faire? Parce que même Tshisekedi aujourd'hui, s'il avait accepté de s'incliner devant Kagame, cette guerre allait déjà terminer et il allait donner à Kagame tout ce qu'il veut, comme du temps de Kabila. Prenez mes gens, fais-les entrer dans l'armée. Prenez ceci, fais comme je te demande de faire. À ce moment ici, on allait parler autre chose. Mais quand Tshisekedi a dit que non, moi je suis président du Congo, je suis président des Congolais, je ne peux pas brader les Congos parce que je veux coûte que coûte rester au pouvoir, comme vous en avez l'habitude avec votre cousin ou votre neveu Kabila. Avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Si vous voulez bien, comment expliquer quand Tshisekedi est venu au pouvoir, à chaque rencontre avec Kagame, sur la table était le cahier des charges de M23. À l'entretemps, le M23 se réclame des Congolais. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient réclamer à la place de M23. Comme celui-ci prenait du temps, il les a embrayés, c'est un fin politicien, un malin, il les a embrayés le temps de se préparer. Quand ils se sont rendus compte que on a déboulonné FCC, c'est FCC qui était notre représentant en RDC, avec ça, le type va nous déballer. C'est ainsi qu'on a renvoyer encore l'armée rwandaise, il n'y a pas M23, l'armée rwandaise en RDC, pour faire plier Tshisekedi. Dieu merci, moi, na Congo, a dit que nièce, même pour mourir, je vais mourir, mais je ne vais pas concéder. Je n'accepterai jamais de donner même un mètre de notre territoire à qui que ce soit, à moins que vous me tuez. C'est pourquoi vous voyez, cette guerre-là est en train de durer. Mais si Katumbi nous dit aujourd'hui que dans 6 mois, il va terminer ça, il faut savoir que d'abord, sa femme a des liens familiales avec Kagame. C'est une Tutsi comme Kagame. Il suffit qu'il appelle son beau-frère, que non, mon beau-frère, laissez-moi le temps, comme ça je vais vous ramener, vous êtes déjà dans la maison civile. Je vais vous amener, vous aurez tout ce que vous voulez. C'est fini. 2 jours, c'est trop. La guerre va se terminer. Ok, alors on a donné un peu le point de vue sur... celui qu'on appelle opposant farouche à Félix, où on ne voit rien d'opposant jusque-là. Alors, parlons un peu, selon vous, quels sont les éléments qu'on peut mettre sur table pendant cette campagne pour que les gens vote pour Félix-Antoine Tshisekedi 20 sur 20. La première des éléments que nous pouvons mettre sur la table pour que Félix Tshisekedi soit voté, même à 90%, d'abord son patriotisme.
il a accepté de donner sa vie parce que, qu'il vous souvienne, Tshisekedi a été tenté plusieurs fois, même son avion a été abattu par Kagame, n'oublions pas. Quand il dit dans les stades, lors de sa sortie officielle pour lancer les campagnes, qu'il m'a tiré dans les dos, ce n'est pas seulement faire de la politique contre Tshisekedi, mais réellement, il a intenté à sa vie. Nous devons être clairs. La première des choses, son patriotisme et sa détermination à garder le Congo pour les Congolais, pour ne pas brader le Congo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les réformes qu'il a initiées jusqu'ici. Quelqu'un qui n'était pas militaire, mais arrive dans un bref délai à former plus de 70 000 hommes de troupes et d'équiper nos forces de défense des équipements de la dernière génération. Ce monsieur-là, nous ne pouvons pas accepter de le perdre en ce moment. Nous devons consolider ces acquis-là. La troisième des choses, c'est ce monsieur ici qui vient, qui constate que si dans toutes nos provinces aujourd'hui il y a des Kuluna, c'est parce qu'on a privé à ces enfants-là de la RDC une bonne éducation. Donc, à partir de là, je parle de la gratuité de l'école primaire. De l'enseignement de base, comme on dit. De l'enseignement de base. L'enseignement de base. On a ramené plus de 5 millions d'enfants qui n'allaient pas à l'école sur les bancs de l'école. Et cette mesure-là a des répercussions sur plusieurs plans. J'en cite ici deux. Imaginez un parent qui dépensait au minimum $600 pour ses 6 enfants par trimestre pour payer les études. Et aujourd'hui, il ne paye rien. Est-ce que ce parent-là, sur le plan social, aura des problèmes à subvenir aux besoins de sa famille? Donc, le problème du social est résolu automatiquement à travers la gratuité. C'est ça. Pendant qu'il n'y avait pas la gratuité, les pauvres enseignants, bien que la motivation était là, ils étaient payés à $80 000 plutôt, 90 000 francs pour ceux de la ville. Et aujourd'hui, à travers toutes les provinces, l'enseignant des moins payés a au moins 400 000 francs congolais. En dehors de ça, il y a eu plus de 200 000 nouvelles unités dans un même secteur-là qui ont été mécanisées et payé aujourd'hui, c'est plus de 200 000 familles que l'État prenne en charge à travers la gratuité toujours. Les veuves des militaires, nos chers soldats qui sont tombés dans les champs de bataille, à qui le régime de Kabila a payé $19 000 congolais par mois, aujourd'hui, on les paye 200 à 259 000 francs congolais. Vous allez voir que toutes ces femmes-là, toutes ces veuves-là, vont aller voter quelqu'un d'autre, que pas celui qui les a rendus aussi une vie facile aujourd'hui. Troisième point, c'est le développement à la base. Je vois beaucoup de personnes se moquer, ils nous avaient promis l'Allemagne d'Afrique, mais l'Allemagne, c'est celle qui est en train de commencer à la base. Pour donner la vie à nos territoires. Kabila a subdivisé nos 26 provinces. Mais je vous dis qu'il n'y a pas même de bureau pour des gouverneurs. Mais Tshisekedi regarde ça. Il dit pour que nous puissions avoir une administration efficace dans l'avenir, il faut commencer à doter les unités décentralisées. Des infrastructures. Une administration, les infrastructures dignes de son nom. Du 20e siècle. Il commence dans les fins fonds pour remonter
jusque dans les grandes villes. Voilà ce monsieur-là, à qui j'appelle tous les peuples congolais, à lui donner maximum de voix pour qu'il continue avec ses projets, au lieu que nous puissions revenir encore à zéro. Très bien, très bien, vous avez omis un élément, vous avez très bien dit pour les enfants qui n'ont pas eu d'éducation, mais ceux-là qui étaient déjà en âge avancé, on les a donné un peu du travail de la formation à Kanyamakasese. Il y en a maintenant qui sont des bâtisseurs. Voilà encore, voilà. Toujours dans les volets éducation. Oui, dans les volets éducation. Que l'autre fois, on a tué, on a assassiné, on a massacré. Yes. Le fils du pays vient, il dit, je suis parent. Ces enfants ici sont devenus ceux qu'ils sont, c'est à cause de l'État. Au lieu que nous puissions les massacrer, travaillons pour les transformer. Aujourd'hui, on les appelle les bâtisseurs. Voilà. Ils sont en train de faire les œuvres que vous voyez, qui ne sont pas à démontrer. Tout à fait. Alors, monsieur Mpoyi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il a presque tout dit. Et je voulais juste ajouter ce qui concerne le quoi, les enfants, le quoi, la gratuité, ce qu'on fait au niveau du quoi, du service national. Mmh. En tout cas, pour moi, ça c'est quelque chose que le président a vraiment, vraiment bien raisonné, ou soit a très bien fait pour les enfants. Ok, alors, grand merci, cher Peter Kankan, monsieur Ntambwe Mpoyi, grand merci pour votre contribution à cette campagne 2023. Nous voulons voir vraiment Fatshi revenir au bureau et terminer le travail qu'il a commencé. Mais vous avez donné des éléments nouveaux qui vont aider d'autres personnes qui sont en campagne pour qu'ils puissent un peu relever les défis. Donc, nous avons mis la barre un peu plus haut et nous croyons que tout le monde sera impressionné de votre prestation. Merci et à la prochaine. Merci, merci beaucoup. Bye bye. Bien, alors, vous autres qui nous suivez, nous avons commencé depuis 30 minutes. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions très sincèrement. Nous vous rappelons que vous êtes connectés sur Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Donc, nous sommes en campagne électorale. Alors, nous avons intitulé notre émission spéciale élection qui est diligentée par la Fédération de l'UDPS États-Unis d'Amérique à travers son département de communication, information et médias. Et au micro, ici, vous avez votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Et en attendant, ciao et à demain. Binda yango esila e Bokende université esila e Baso de mouton moussala kitoko Bokende kisangani moussala kitoko.